Camouillotte, c'est l'expérience d'un spectacle hors du commun. Camouillotte est une pièce qui m'accompagne depuis quelques années déjà et que j'ai toujours eu grand plaisir à présenter car elle est une formidable découverte de la danse contemporaine pour tous les publics. Très vite contacté Bruno Boucher en lui proposant d'associer le Ballet du Rhin à un projet Camouillotte ici sur le territoire mulhousien et donc de confier à ses danseurs le soin de reprendre cette pièce de Oad Naharin pour la présenter à la fois dans les théâtres mais aussi en la projetant sur le territoire. J'avais eu l'occasion de découvrir cette pièce comme Benoît à Tel Aviv dans les studios de la Batsheva Dance Company et ça a été une émotion très forte que j'ai voulu aussi partager avec les artistes du CCN Ballet de l'Opéra National du Rhin et avec le territoire mulhousien. Oad Naharin aime à dire que c'est une pièce pour les enfants de 4 à 98 ans. Pour essayer de faire passer cette émotion, cette énergie de la danse contemporaine à un large public. Et c'était notre désir à Benoît et à moi de pouvoir justement élargir les publics. Cette pièce, elle a été pensée, comme le disait Bruno, pour tous les publics. Elle est intemporelle. Elle fait appel d'abord à l'énergie incroyable des danseurs, la virtuosité, la puissance des corps à proximité du public. La bande-son également, qui est choisie, qui est, fait appel à des musiques extraites de films de Quentin Tarantino ou de musique japonaise très très puissante, fait que le Camouillotte est une véritable vague qui vous entraîne dans un vrai plaisir et une vraie émotion. C'est vraiment l'idée originale de Benoît André, pour d'aller vraiment toucher le public sur le territoire mulhousien et qui a proposé ce dispositif dans les gymnases mulhousiens. Alors avant moi, j'ai envie de dire que c'est l'idée d'Oad Naharin qui a conçu ce spectacle pour être un spectacle tout-terrain, léger techniquement, qui peut aller jouer n'importe où, dans une cour d'école, dans un gymnase, sur une place de village. Et nous avons repris donc ce principe en imaginant d'aller conquérir des publics que la filature ou le ballet de l'Opéra National du Rhin ne convie pas d'habitude dans ces spectacles et aller sur le territoire à leur rencontre.